tout le Soudan. Venez voir les dromadaires. Le jour du marché est un jour très important. On vient du Darfour, c'est un sacré voyage. Presque un mois à voyager sur nos dromadaires pour arriver ici. Le marché d'El Moli est l'un des plus grands marchés de dromadaires d'Afrique. Ici, il n'y a pas de barrière ni d'enclos, alors les dromadaires ont les pattes entravées pour empêcher qu'ils s'éloignent. Les enchères débutent. Un spectacle étonnant. Les hommes se murmurent les prix à l'oreille. Un médiateur fait la liaison entre acheteur et vendeur. Compte, vas-y, compte, ne t'énerve pas. C'est bon, je vais te donner ta part. Il n'y a aucun document, aucun contrat. Les liasses de billets passent d'une main à l'autre et le ton monte parfois rapidement. Si tu veux compter, compte tout de suite. Si tu prends l'argent maintenant et que tu t'en vas, le marché est conclu, c'est trop tard. Ces négociations musclées font partie du jeu, une sorte de poker menteur où il faut savoir bluffer. C'est une transaction compliquée. Ceux-là, ils viennent de loin, ce sont des bédouins. Et ils ne donnent pas leur confiance facilement. Ici, la plupart des dromadaires sont commercialisés pour leur viande, particulièrement prisée dans la corne de l'Afrique et au Moyen-Orient. Un marché colossal, avec 250 000 bêtes exportées chaque année.